Alors, c'est un collège qui existe depuis 1864. C'est un collège très familial. Nous avons 6 classes actuellement qui sont articulées autour d'une équipe enseignante de qualité, l'équipe éducative également. Et j'en veux pour preuve les résultats que l'on obtient chaque année au diplôme national du brevet, qui sont parmi les meilleurs du département de la Manche. Actuellement, nous nous engageons dans un label international pour l'année prochaine, pour renouer les contacts avec Jersey, Guernesey et un partenariat avec la Pologne pour nos élèves. Nous avons également mis en place une option football en salle pour la rentrée prochaine. Au niveau des inscriptions, c'est ouvert bien entendu à tout le monde. Nous accueillons des élèves de tout le secteur, un secteur assez élargi, enseignement public et privé confondu, aux alentours de 25 à 30 km. L'adolescence, c'est une période qui n'est pas facile pour les enfants. Souvent, le passage du CM2 à la 6e est compliqué. Ils sont pleins d'appréhension, se retrouvent avec des plus grands, il y a une maturité qui se fait ou pas. Et à Saint-Joseph, l'avantage, c'est que le fait qu'il y ait des petits effectifs, que ce soit, ça fait que ce n'est pas la jungle. Et l'enfant prend le temps de grandir. Et en plus, il est bien accompagné par les enseignants. On a un côté vraiment famille. En plus, les enfants sont la plupart du temps ensemble depuis la maternelle, puisqu'il y a une école primaire privée qui est associée aussi. Et ça fait qu'il y a vraiment des amitiés fortes et durables qui atténuent la partie un peu conflictuelle qu'on peut avoir entre des adolescents qui viennent de partout et qui ne se connaissent pas. L'association des parents d'élèves a cette mission, je dirais, de faire le trait d'union entre ce qui se passe dans les familles avec les enfants et l'équipe pédagogique dans son grand complet, en proposant à la fois des animations mais aussi une communication entre ces différents acteurs. Elle sert à financer les voyages, une partie en tout cas. Elle a permis de financer le lieu dans lequel nous sommes, qui est le foyer des 6e, 5e, 4e. Elle permet aussi de donner un coup de main à certains enseignants qui mènent des projets individuellement dans le cadre de leur enseignement. On a une équipe pédagogique qui est très à l'écoute de nos enfants, mais également très accessible au niveau de nous parents. On peut très facilement les contacter pour discuter avec eux. L'établissement organise l'orientation des élèves à partir de la classe de 5e, 5e, 4e, 3e. En 5e, nous faisons une visite d'entreprise. Nous avons décidé cette année de nous ouvrir au métier d'art avec intervention d'un professionnel d'un métier d'art. En classe de 4e, nous allons visiter une entreprise, puisque nous avons une entreprise industrielle multiforme à Villedieu, car nous avons décidé de nous accrocher au domaine industriel. Enfin, en classe de 3e, qui est le point d'orgue de l'orientation, nous avons d'abord une semaine obligatoire et nous avons aussi, pour ceux qui font le parcours à venir, 4 semaines de stage possibles. Enfin, pour améliorer tout ça, nous avons des partenaires, des syndicats professionnels, l'IUIM par exemple, les chambres de métiers, des chambres d'agriculture et autres, et des entreprises que l'on va visiter. Cette année, Naval Group, les constructions mécaniques de Normandie. Le but des stages, c'est que chaque élève puisse découvrir le métier ou le domaine dans lequel il se sent le mieux. Ou alors, vérifier que dans tel ou tel domaine, il n'a pas d'appétence particulière. Toujours en 3e, les élèves vont dans une entreprise et y restent une journée. Nous organisons nos cours dans l'entreprise. Ces cours sont assurés par nos enseignants, mais aussi par les personnels de l'entreprise, la compagnie fromagère de Sainte-Cécile. Lors de ma période de stage, j'ai effectué un stage d'observation en cabine d'infirmière libérale et j'ai pu effectuer des soins et de l'observation. Et dans ce métier, ce qui m'intéressait le plus, c'est surtout le contact avec la patientèle et le fait de soigner. J'ai fait un stage en kinésithérapie. C'était du coup le domaine médical, ça a été un peu compliqué de le trouver. J'en tire qu'il faut continuer et persévérer même si on ne trouve pas au premier abord. Et le stage en lui-même m'a permis de découvrir plein de choses, de me renforcer l'idée si je voulais ou pas continuer dans ce domaine-là plus tard pour mes études, parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'études. Il faut être sûr de son choix et ça permet de savoir plus un peu ce qu'on veut.
J'ai fait un stage dans une entreprise de réparation agricole. J'ai fait beaucoup de réparations. J'ai appris que parfois dans l'atelier, il fait pas toujours, les conditions de travail sont pas toujours idéales. Et puis j'ai appris à me débrouiller parce que il y a des moments fallait que je fasse des choses tout seul parce que les gars ils faisaient autre chose, donc je me débrouillais tout seul. Dans la mini-entreprise, il y a 5 pôles: commercial, marketing, ressources humaines, financiers et production. C'est notre classe qui avons monté une entreprise sur le temps de l'année. Et on a choisi comme produit une gourde rétractable sur donc de l'achat et de la revente. Ça va être commercialisé bientôt. Donc chacun a son poste. Il y a comme directeur Victorien Bazir et moi je suis sous-directrice et chaque pôle a son directeur. C'est pour apprendre pour le futur l'orientation, aider à choisir ce qu'il veut faire plus tard. À bientôt sur tevie.tv.